Grosse frayeur pour les fans de Maxime Le Forestier. Le chanteur hospitalisé d'urgence après un malaise. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre sur la majorité des sites people ce vendredi 7 avril. Mais l'artiste de 68 ans rentré chez lui va mieux et le fait savoir. Tout le monde s'inquiète et appelle pour prendre des nouvelles, c'est gentil mais c'est passé, explique Maxime Le Forestier au site du journal Le Parisien. Mais l'interprète donné quelque part ne dément pas les informations du site de La Nouvelle République qui révélait que le 1er avril dernier, il avait été victime d'un malaise dans sa maison de Périgny dans le Loir-et-Cher. J'ai fait un malaise samedi à la maison et j'ai été transporté en hélicoptère à l'hôpital de Tours. C'était un petit pépin et je suis rentré chez moi lundi. Tout va bien, j'en profite pour dire un grand bravo et merci au service d'urgence de Tours. En France, on a beaucoup de chance, précise Maxime Le Forestier dans Le Parisien, pour qui ce petit pépin est déjà loin puisqu'il annonce son retour avec une nouvelle chanson dès vendredi prochain.